Je me lance dans ma deuxième année de PACES, donc j'ai loupé ma première année. Et c'est en tant que doublante que j'ai décidé de m'inscrire à Horizon pour cette deuxième année, pour être beaucoup plus encadrée. Je n'avais pas pris de prépa pendant ma première année et je pense que être encadrée, c'est vraiment un point très très fort que cette prépa a, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai ressenti un esprit de coaching, d'être vraiment d'encadrement et un bel esprit d'équipe chez Horizon. J'ai choisi le pack performance à Horizon et j'ai choisi Horizon justement parce que j'étais allée aux portes ouvertes et c'était une prépa qui était plutôt accueillante. Les profs qui répondent bien aux questions, ils sont là pour nous aider et il n'y a aucune question bête et jamais ils nous ont fait ressentir qu'on a posé une question bête. Et l'ambiance, elle est chaleureuse. J'avais le pack le plus complet à Horizon, donc j'avais vraiment le total dedans, le coaching, tous les cours. J'avais pas envie d'avoir de regrets, je voulais vraiment avoir tout, quitte à même choisir, piocher des cours que j'ai pas envie d'aller, mais vraiment rien regretter et avoir le total. Et la raison pour laquelle j'ai pris Horizon, c'est je pense que c'est la physique qui a joué en leur faveur, parce qu'ils ont une prof qui est géniale et c'est super important pour la passage à la physique, c'est ce qui fait un peu la différence. Voilà, j'avais déjà pas un bon bagage technique, on va dire, j'avais pas un très bon bac. Et je suis arrivé en première année, je me suis planté. Et du coup, je me suis dit, il me faudrait une prépa. Et Horizon s'est présenté à moi. Ils ont une très bonne prof de physique. Pour la physique, c'est vraiment excellent. Moi, c'est vraiment pour ça que déjà, j'avais très peur de la physique. C'est pour ça que je me disais, il me fallait une prépa. Parce que tout seul, je ne pensais pas y arriver. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai vu les cours de Madame Rami expliquer clairement. Comparé au poly qu'on a avec les profs de la fac. C'était ça mon soulagement de l'année. J'ai connu Horizon grâce à ma voisine qui a fait des études de médecine et qui a pris pour sa première année la prépa Horizon parce qu'elle voulait être soutenue et avoir un maximum de chances pour réussir. Ça tire vers le haut dans le sens où tout le monde a un même objectif, c'est de réussir cette première année du premier coup. Et pareil, je cherchais une prépa pour m'aider à avoir un soutien continu tout au long de l'année. Et en fait, j'ai entendu avec des connaissances que Horizon, c'était une bonne prépa avec vraiment des profs qui font des bons cours, qui soutiennent, et avec des bons polys. Surtout que voilà, ils te prennent en main et ils te donnent des polys en avance, parce que nous, on a choisi un programme où on avait des cours avant la rentrée. Du coup, on apprend déjà en amont les premiers cours du premier semestre. Et ce qui fait que, comparé aux autres qui n'ont pas pris de prépa, on a déjà une avance sur les cours. Et ça nous permet aussi déjà de trouver notre méthode de travail. Horizon m'a plus plu parce qu'ils ont plus... Ils m'ont plus expliqué ce que j'allais faire l'année prochaine et c'est pour ça m'a beaucoup plu. Donc on est en prépa orthophoniste à Horizon. On a commencé il y a une semaine. Les cours, ils sont bien, même s'il y a beaucoup de travail déjà. Tous les professeurs, ils sont super à l'écoute, ils nous donnent beaucoup de conseils. Il y a une ouverture d'esprit qui se crée. On a différentes matières qu'on n'avait pas avant. Et même si on revoit des bases du primaire, telles que les conjugaisons ou comment on fait une phrase et tout, on réapprend énormément de choses et du coup c'est vrai que ça nous offre une culture générale assez intense. On a des profs qui sont vraiment sympas, très ouverts, où les cours sont pas barbants, même si on peut avoir 4 heures de suite avec le même prof, c'est plaisant. Et c'est super intéressant. Voilà. Ouais, c'est super bien encadré aussi par les professeurs. Ça se voit qu'ils sont là pour nous aider, pour nous pousser. Donc voilà, c'est bien. Ouais.